Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de mon Let's Play sur le jeu Dragon Dogma. Épisode 10, épisode spécial, épisode Exploration. Oui, Exploration, mes amis. Puisqu'on va visiter l'ensemble de tout Grand Solène dans cet épisode. Et c'est un épisode qui se voudra long. Donc, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais en tout cas, on s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas tout visité. Voilà. Vous pouvez constater, il y a des petits changements. On va regarder ça. J'ai essayé le DLC, hein. C'est tellement démodé. Et je me suis acheté quelques petites armes. Donc, les stylets, un nouvel arc de bois. J'ai un peu amélioré avec ce que je pouvais, hein. J'avais pas tout. Bon, j'ai toujours la couronne antique parce que je la trouve classe et tout. Et j'ai une armure de protection de cuir. Et le reste, les jambes, j'aime pas beaucoup, mais c'est ce qui me permettait d'avoir de mieux. Enfin, mieux. Et donc, on a notre fameuse Ayana. Regardez comme elle est belle, elle est bébé. Et du coup, elle a des vêtements, mais c'est aussi des vêtements en attendant de trouver mieux. Voilà. C'est vraiment en attendant de trouver mieux, mais il n'y a plus aucun DLC. Maintenant, voilà, passer Grand Sorène, se dépasser. On a des équipements beaucoup plus intéressants. Donc, visitons. Alors, on peut constater sur la carte, il y a trois secteurs. Il y a ce secteur-là, qui est grand, mais qui est assez vide. Il y a ce secteur-là, qui est assez grand, il y a plein de rues partout. Et il y a ce secteur-là, qui est assez petit, et on ira le visiter. Voilà, donc on essaye de sauter un peu partout. Donc j'ai augmenté un peu mes compétences et regardez, je peux faire un double saut maintenant. Et ça, ça va être pratique. Ça va être terriblement pratique. Donc on a dit qu'on allait d'abord par là, histoire de bien visiter. Ok. Donc c'est un peu la zone des pauvres ici. C'est genre, oh les pauvres. Voilà, c'est la zone des pauvres. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vous pensez qu'on peut sauter? Oui. Yeah. Eh, c'est pas classe ce saut, hein? Il est pas classe ce saut? Voilà, dites-le que vous avez envie. Dites-le que vous êtes jaloux. Ouais, les mecs, vous êtes arrivés super vite. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'était pour le plaisir de sauter. On est d'accord, hein? On est d'accord. Oh yeah. Voilà. Donc on peut voir, il y a un grand champ. Là, voyons voir par là. Donc là, ça donne sur la sortie. Hein. Donc je n'y vais pas. Ça n'a peu ou pas d'intérêt d'y aller. Bon, il y a des pions. Et il y a des choses ici. Il y a un bœuf. Un bœuf. Encore de la viande gratuite. Attendez. Ah mais oui! Et il y a des trucs ici! Voyons voir. Où est-ce que ça mène? Je suis curieux, moi. On est dans les barricades, dans les forteresses, enfin dans la forteresse, en fait. Sûrement dans les murs extérieurs. Ah, excellent! Ok. On a pas mal de choses à visiter, hein. Personne à l'horizon. Oh, attendez. J'ai cru voir quelque chose. Mais oui! Il y avait une échelle. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Ça me fait tellement de plaisir. J'adore ce jeu. Mais le truc, c'est que... Ça va être compliqué à faire en let's play. Je le sens. Ok, donc il y a... Ça sort par là. Ok, et là c'est fermé. Mais on peut grimper. Oh là là, ça va être compliqué à visiter. Oh là là. Bon. Je me fais une map dans ma tête, mes amis. Ça, ce sont des toilettes, mes amis. Et on peut grimper par là. Et on peut sortir aussi par là.
Oh là 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 là. Bon. On est d'accord. On ne le fait pas tout de suite. On ne fait pas ça tout de suite. On fera peut-être les murailles après, une fois qu'on aura visité le secteur. Parce que sinon, je sens que je vais me perdre, mais alors royalement. Alors un truc tellement grand que c'est terrible. Non, oh, je viens d'ici. Putain, il y avait ce chemin-là. Il y avait aussi ce chemin-là. Je suis un peu perdu, là. Je sais plus déjà où qu'est-ce que je vais. Ok. Donc là, ça monte. Youhou! 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 Quoique. Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes aussi par là. Ah, oh, il y a des coffres. Oh là là. Oh, il y a trop de choses. Ça y est. Youhou! On peut pas sauter par là? Genre? Eh non, il y a un mur invisible qui m'empêche d'y aller. Comme quoi. Comme quoi, des fois, la nature est bien faite. Aïe, c'était peut-être un petit peu haut. Désolé. Et donc là, il devrait y avoir aussi... Ok, donc ça revient ici. Très très bien. Donc là, ça descend. D'accord. Et on arrive ici. Ok. On arrive toujours par là. D'accord. Bon, très très bien. Donc on a les bœufs, on a de la viande si on souhaite. On a même des gourées. Regardez ces beaux gourées. Oh, ils sont beaux. Oh, faute de gourées. Oula. Ah ouais, quand on les embête, c'est vrai, ils sont en mode vénère. Voilà, ils ont tendance à pas être contents si on les embête un peu trop, les gourées. Voilà, c'est pas comme les bœufs où on peut les frapper, y a pas de souci. Allez, hop, on va les laisser tranquilles. Non mais... Ok. Ferme tes... On avait dit qu'on laissait les gorées. Allez, on les laisse. Non mais incroyable. Non mais vous voulez bien les laisser quand même, ces gorées là? Non mais sans blague. Ils vous ont rien fait. Ok, rien d'intéressant par là. Très bien. Hop. Alors, il y a deux maisons. On va d'abord faire celle-ci. Non mais celle-ci, on l'a déjà faite. Ok, bon bah on va faire celle-là. C'est fermé. C'est pas pratique. Il y a moyen peut-être de faire... Yo. Ha ha. Oui, on peut grimper sur les toits, comme dans... comme à Cassardy. Raté. Je disais que peut-être on pouvait grimper, mais... Chaud. Attention. Yop là. Vous avez vu ce double saut de l'amour? Ah, il vous vend du rêve, hein, je sais. Il vous vend du rêve. Moi aussi, il me vend du rêve. J'admets. Et on va peut-être pouvoir descendre par là. Tada! Et on récupère un coffre qui était ici et que c'était le seul moyen de pouvoir y arriver. Ou alors, on pouvait faire comme ça aussi. Mais il faut avoir le double saut. Donc, ce qui n'est pas dit pour tout le monde. Ok. Solidement fermé. Non, les maisons, elles sont fermées tout le temps. Il n'y a pas grand chose dans le champ, donc il n'y a rien à faire par là. Et on va pouvoir remonter. Alors, où est-ce que... Alors, je suis un peu perdu, là. Où est-ce qu'on est par rapport à d'habitude? Je sais pas. Il y a une maison. Elle est encore fermée. Donc, ils ont fait des maisons, mais ils ont pas... Ils ont décidé de pas de les remplir, en fait. Ils ont dit... Oh non, c'est trop dur. On va pas les... On va juste faire comme quoi il y a des gens et puis après c'est tout. Laissez-moi entrer. Tu rêves. Laissez-moi sortir. Yep là.
Au moins, on peut grimper, faute d'avoir des maisons potables. Hein. Youp là. C'est vrai qu'il y a un petit peu dommage dans Grande Sorène, c'est que c'est grand, mais c'est pas si grand que ça, puisque les maisons n'ont pas été développées plus que ça. Ils sont juste là pour dire, ah, il y a des maisons. Voilà, vous êtes contents, il y a des maisons. Mais bah, il est mort, l'artisan. Bon, il est mort, ton fils. Merciful Maker. Sir, D'accord, je t'écoute. Thank you, sir. This child is my son. Il est mort. Always weak, his sweetheart, since he was but a babe. Ouais. But to see it, to watch him slip from my faint, to try any means that I might to bring anything to bring him back to me. Ok. Here, the first of those stones, I bought from a merchant. He spoke of a powerful magic within it. Ok. And so I searched. But by tis a vain hope to seek immortality in such dream. Les pierres de réveil sont de miraculeux objets pouvant amener les personnages et vos pions ou d'autres personnages à la vie. D'accord. Prenez grand soin de chaque pierre de réveil, les fragments requis sont rares et chacune, si vous récoltez. Éclat. Ok. Donc on a une quête, on doit essayer de sauver le petit. Très bien. Je crois que c'est juste pour nous donner un peu comment fonctionnent les éclats de pierre. Les éclats de réveil. Ce qui est pas mal, ça m'éviterait de faire comment ça s'appelle. Ça y est, j'ai perdu. Des fails et de rater mes combats épiques. Il y a peut-être des choses cachées. Hop là. Voyons voir. Un coffre, regardez. Je vous ai dit, il y en a partout. Un signe de quête. Mais bon, ce sont des coffres aléatoires et au bout d'un moment, ils reviennent. Donc vous pouvez les farmer pour avoir ce que vous souhaitez. Ça. Ok. Encore une transpierre, cool. Ça coûte moins cher. Et par là, je crois qu'on peut pas y aller. Bon, eh ben, on a fait le tour. C'est pas joli, ça. C'est pas beau. Moi, je suis content. Hop là. Allez, on va continuer à explorer à l'aventure. Youhou. Chouette. Alors, avec les squelettes, je crois que ça sert à ouvrir certaines portes. Je vous invite à en garder quelques-unes, deux ou trois, sur vous. C'est toujours très intéressant de pouvoir le faire. De pouvoir ouvrir des portes qui sont fermées à clé. C'est un petit peu haut. Hop là. Donc maintenant qu'on a visité cette partie-là, eh ben on va aller visiter l'autre partie. Voilà. Je pense que ça va être un peu haut si je saute. Mais on va tester. Youhou! Ouais, ça passe. Vous avez vu ça? Technique. Technique du tigre. Voilà, donc grande sereine. Première zone visitée. Oui, yeah, baby. Donc vous comprenez pourquoi ça va être un épisode long, hein? Vous le pressentez comme ça, c'est, je sais pas, dans votre nez, ça vous titille la moustache. Et c'est pour ça que ça va être long. Mais bon, je préfère faire ça dans un épisode spécial qui est long, et comme ça après, on sait qu'on a visité la ville, on sait où sont les différentes choses, et du coup, on peut avancer beaucoup plus loin. C'est fermé, défense d'entrée. Ok. Hop. Ok, ça monte encore. Je vais rater ça. Voyons voir, on grimpe, on grimpe. Allez, on a pas peur. Eh ouais. Et là. Et défense d'entrée aussi. D'accord. Merci les pions, moi je descends. Youhou! Et on va réessayer par là alors. Bah, comme on sait qu'on peut pas revenir en arrière, automatiquement on va pouvoir avancer, ce qui est plutôt cool. Donc ça on l'avait fait. D'accord. Donc on se retrouve ici. Ici, amenant ici.
Très bien. Donc du coup, le chemin principal, c'est par là. Vous me suivez toujours? C'est bien. Parce que moi, je me suis plus. Ok. Donc il y a deux chemins. Il y a un chemin qui va par là. Ou alors, il y a un chemin qui va par là. Ta. Chaud, hein. Le chemin se ferme. Il ne va pas plus loin. Ok. Il rejoint donc celui-là. Très très bien, très très bien. Et on a un clair martial. Ok. Donc, du coup, comme ce chemin est fermé, automatiquement, c'est ce chemin-là qui est ouvert. Bon, jusque-là, on est bon. Et on n'a plus qu'à grimper. Par là, c'est fermé. Et par là... Où est-ce qu'on est, là? Intéressant. On est dans un petit secteur où il n'y a rien du tout. Je reste perplexe. On est quand même assez haut, hein. La profondeur des... Je trouve que dans ce jeu, voilà, la profondeur est assez imposante. Et quand on s'y trouve, quand on est en face... Bah moi qui ai le vertige, croyez-moi, je fais pas le malin, même si c'est un jeu vidéo. Voilà. Je tiens à vous le dire. On va regarder. Je trouve ça étonnant qu'il y ait un petit secteur où il n'y a rien. C'est fait exprès? Ah, il y a quand même un coffre. Un manteau d'érudit. Voyons voir. Tic, 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 tic. Tic. Donnez à Ayana. Ayana, fais voir. Tu as déjà un manteau d'érudit. Chouette, j'ai l'or double, je pourrais le vendre. D'accord, donc du coup, il y avait juste ça. Bon. Au moins, vous savez qu'il y a un endroit, ici, où on peut y aller. On continue la visite. Alors, où est-ce qu'on est? On est sur des endroits escarpés, mais je pense pas que ça soit intéressant. Par là, on est de ce côté-là. Ok, par là. On peut grimper, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose quand même. Ok. Donc là, on est du côté du truc des nobles, hein. Pour vous dire. D'accord, d'accord. Je reste curieux, hein. Je vais d'abord visiter un peu ce qu'il y a par là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, on est sur la grande ville. La très grande ville. Et on continue notre périple, mes amis. On continue notre périple à travers tout Grande Sorène, mais sur les faubourgs. Sur les murailles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les murailles. Donc on peut grimper. Ok. Donc on va d'abord grimper. Youhou! Un clairon martial. Je crois que j'ai une quête où je dois en trouver 50 clairons martiaux. Alors pour vous dire, ça risque d'être assez showtime, mais je crois qu'il y a des quêtes qui me permettent d'en gagner 40 d'un coup. Ce qui est pas négligeable totalement. Donc on va faire le tour un peu des murailles, et puis après, une fois qu'on aura fait le tour des murailles, on pourra aller se balader par-ci, par-là. Ok, là, donc là, ça descend. Là, ça descend, mais là, ça continue. On va d'abord descendre. Faisons étape par étape pour ne pas se tromper. Histoire de bien se faire une idée de ce qu'est la grande ville. Donc, je vous rassure, hein, c'est la seule grande ville qu'il y a, donc on n'aura pas un épisode comme ça tous les jours. Alors, voyons, voyons voir, voyons voir. One can see the whole city from here. Ok. Ok. Donc en gros, on peut passer par là. C'est... Ça donne un peu le vertige, toutes ces maisons, et se dire qu'on peut aller sur chacune d'entre elles. Ça donne un peu le vertige. Enfin, moi, ça me le donne. Donc voilà, donc on peut pas aller plus loin. Vous avez été bloqué. Ok. Très très bien. Donc c'est-à-dire qu'on a fait tout le tour de cette partie de muraille. Et désormais le jeu nous dit, eh ben tu peux pas aller plus loin, vas-y, tu retournes en arrière. Ok. T'es un bon bébé. Hop là.
Je me dis que peut-être... ouais, on va peut-être passer par là. Hop là. Je dis... encore un manteau d'érudit, d'accord. Bon, les mecs, je l'ai déjà, mais bon, c'est gentil, merci beaucoup. On continue, on n'a pas peur. On ramasse un petit peu tout ce qu'on a. Alors, on fait le stock. De... ah ben hey. Hey, deux clairons martiaux juste ici. Donc par là. Ok. Alors du coup, maintenant qu'on a visité ça, je vais quand même revenir en arrière parce qu'il y avait un autre chemin. On l'avait vu. J'aimerais vraiment vérifier et m'assurer de ce qu'il en est. Enfin, si on peut regrimper du coup. Yep. Ouais, si, c'est certain. Hop. Hi-hop. Allez. Est-ce que c'est par là? On avait grimpé dans la tour. Hein. Je crois qu'on pouvait pas aller plus loin. Ça y est. Ma map dans ma tête, elle est en train de sécher. Elle est en train de faire des trucs. Ouais, c'est bon en fait. Comme l'arquette, tu devrais suivre ton instinct. Des fois, ça te servirait. Parce que là, du coup, t'as fait perdre du temps. Et les viewers qui sont en train de te regarder, ils te voient courir. Tout le temps courir. Ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Que voulez-vous? Ah là, c'était ici que je voulais voir. Ou là-bas aussi. Oh là là. Oh. Je sais plus où donner de la tête. Depuis que j'ai vu Suzette. Oh, il y a de diff. Ok, merci. Poupidoupidou. Donc on sait qu'il y en a un ici. On est d'accord. Mais il y en a un ici. On est d'accord. Non. On n'est pas d'accord. Ici. Presque. On y était presque. Youhou. Aïe. Ça fait mal, madame. Mais en fait, je viens de me rendre compte que finalement, c'était le même endroit. Ok. On a fait une boucle. On a fait une boucle, les amis. Ne me tapez pas. De toute manière, on finit cet épisode. Donc moi, j'ai prévu une heure, mais s'il fait plus d'une heure, bah, vous aurez plus d'une heure. Hein, dans tous les cas. Donc, je veux que Grande Sereine soit totalement visitée de fond en comble pour que derrière, on puisse aller plus loin. On puisse voilà, se dire ça c'est derrière nous et partir à la chasse, partir à l'exploration, partir aux quêtes, tout en nous améliorant. Ok, donc du coup voilà, c'était pas cet endroit, mais cet endroit rend au même endroit, c'est à dire cet escalier. Et là, il n'y a rien. On est d'accord? Enfin, je sais pas. Je vais vérifier. Hop là. Eh ben si, il y avait un coffre. Oh, oh. Une bourse garnie. Ah, maintenant, du coup, je suis... ah là là. Je vais pas tomber. Comment je fais pour grimper? Parce que je voulais aller sur l'autre rampadaire là-bas. Vous voyez? Je trouve que ça aurait été cool. Peut-être que si je saute par là. Ouais. Oui, baby. D'accord, donc bah du coup. On a visité. Et. On pouvait descendre? Je vais pas visiter ça? Ah d'accord. Donc non, c'est une tour. C'est la tour du nord. Ok, je vois où on est. Très très bien. Donc ça continue par rapport à ce que je vous avais dit. Donc on est plutôt pas mal. Voilà, on est plutôt pas mal. On ira sur les toits, bien sûr, on ira sur les toits. On va d'abord terminer les murailles, puisqu'une fois que celles-ci sont bien terminées, je veux dire, on est plutôt tranquille.
Salut! Alors, il y a deux chemins. On va d'abord prendre celui de droite. Celui de droite pour compléter. Voilà. Voilà. Pourquoi tu casses les caisses, Blackhead? Bah parce que ça me permet de récupérer des choses qui coûtent assez cher, et donc c'est pas négligeable si je peux avoir des compléments d'objets. Par rapport à ça. D'accord. Et donc là, on devait être de l'autre côté, là où c'était bloqué. Voilà. Donc tout est lié, à part les portes. Non, ça sert à rien de sauter, je pense qu'on l'a déjà visité. Si c'est pas le cas, vous aurez qu'à me le dire en commentaire. D'accord. Poupidou, poupidou, poupidou. Je suis un peu perdu là. Je suis un petit peu perdu. Je suis un petit peu perdu. Ok, donc on l'a visité, c'était fermé, très bien. On grimpe. Il y avait deux portes. Ok, voilà, voilà, ça y est, je suis retrouvé. Blarken est là, il est beau, il est là, il est frais. Il est pour vous, il est pour cet épisode de la bourre. Cet épisode de Grand Solen. Cet épisode où on casse tout. Cet épisode où on paye tout. Cet épisode... Hop là. Où on tombe de haut. Tout en faisant des hi. Tout en faisant des ha. Des hi-ha. Alors, hop là. Youhou. Et donc la porte est fermée par là. Ok. Mais il y a quelque chose à grimper. Ok. Est-ce que vous vous suivez? Est-ce que vous suivez la map? Est-ce que vous vous faites une image dans votre tête de ce qu'on a visité? Un petit peu. Est-ce que ça vous parle? Ou alors vous êtes totalement largué, vous êtes... Arcade, au secours! Je sais pas où tu es. Je suis perdu. Arcade, aide-moi. Et la porte est fermée. Ok. Allez. Youhou! Fermé. Ok. Donc du coup, vu que tout est fermé, je pense qu'on va passer par le bas. Là, ça descend. Ça descend, ça descend. Il y a le truc. Et on a encore des coffres. Vous avez vu tout le nombre de coffres qu'il y avait cachés partout, hein? J'ai pas mal d'argent, j'avais pas vu. C'est cool. J'ai fait quelques quêtes de chasse histoire de gagner un peu de sous en off entre l'épisode 9 et l'épisode 10. Donc j'avais pas vu que j'avais autant. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai revendu des trucs aussi, donc ça m'a permis de gagner un peu d'argent. Un peu d'avance. Et donc on arrive là. D'accord. Où est-ce qu'on est? On est donc à l'entrée. D'accord, et ben voilà, on a fait le tour. Donc on va aller faire dodo histoire que le jour fasse mieux, enfin, soit là. Et on va continuer, c'est-à-dire on va remonter dessus et cette fois-ci on va visiter la partie. Ok, on s'en fiche. Allez, on se repose et on veut jusqu'au matin. Merci, voilà, c'est gentil. Youpi. Donc on va regrimper et cette fois-ci on va visiter toute cette zone-là, mais sur les toits. Histoire de voir s'il n'y a pas des coffres, des choses cachées. C'est moi ou je suis lourd? Ah ouais, je suis en mode moyen. Est-ce que j'ai des choses qui sont lourdes et que je pourrais donner? Genre ça. Voilà, donne à ça. Donne à ça. Voilà. Déjà, ça devrait être plutôt pas mal. Ok, donc donne à... Voilà. 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 Tout le monde étant léger, on peut courir un peu mieux. Ok, c'est parfait, vous êtes des bonnes bébés. Je vous aime, merci beaucoup. Si je regardais un petit peu au lieu de tourner la tête à ce moment-là, ça serait un petit peu mieux. Ok, donc on a un secteur de fait, on est d'accord. Il ne reste plus qu'un deuxième secteur. Et le dernier, ce sera le plus peu, enfin l'un des plus petits. Le secteur des nobles. En gros, les nobliaux qu'on a envie de frapper, mais si on fait ça, on va en prison, et si on va en prison, c'est terrible!
Oui, non, non, ça va, j'ai rien pris, j'ai rien pris, je suis totalement en forme, bien sûr. Voilà. Alors, visitons un peu tout ça. On va aller d'abord sur ce toit là-bas. Il nous dit oui, il nous dit viens sur le toit, Blarkiane, et viens sur le toit. Ok. Salut! Voilà, grande solène vue par les toits, vue par Blarky. Attention, c'est Assassin's Creed like. Yaha. Rien d'intéressant. Ouais, pas de choses cachées. Non. Alors, vous êtes prêts? Hop là! Je vous donne des petits frissons dans le dos, hein. Vous dites, il va se rater. Ben non. Bah, vous n'avez pas réussi à sauter? Ok. Ils n'ont pas dû réussir à sauter, ils sont tombés, ils se sont fait super mal. Alors je regarde s'il n'y a pas des choses cachées, des coffres, des balcons. Parce qu'il y en a quelques-uns, mais je me rappelle plus trop où ils sont, pour vous dire. Mon but, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Et dans cette partie-là, notamment. Hop là. C'est bien, elles suivent. C'est des bonnes popiettes. Alors, voyons voir. Youhou. Coucou. Chaud, hein. Même moi, j'ai eu peur. Mais ce double saut, il est parfait. Réellement, il est génial. Mais il est que pour certaines classes. Et d'autres ne l'ont pas. Ce qui fait que... Bah, vous l'avez dans le cul, Lulu. Désolé, je suis pas réussi. Vous arrivez à suivre, les copines? Hop. Ouais. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose... qui puisse être intéressant, je trouve. Pas de coffre. On voit qu'on peut grimper dans des petites allées. Du genre... Hop là. Une petite allée par ici. Ah, j'ai trouvé... Oh, bon, on a trouvé la page du journal numéro 3. Elle fait partie de la quête de Reinhardt. Au bout d'un moment, il vous demandera de trouver des pages de quête. Et c'est ici que... Ah, là-bas, il y a un balcon. C'est ici qu'on peut en trouver au moins une. Ok. Attention, on va tenter quelque chose d'assez terrible. Hop là, on reste sur les toits, mes amis. Hop là. Alors je vais par là à nouveau parce que j'ai cru voir une échelle tout à l'heure. Et je me suis dit, si cette échelle amenait à quelque chose, automatiquement... Sauf que je sais plus où aller en fait. J'ai un petit peu perdu là. Et. Hop là. Oula. J'ai perdu. Yep. Non. C'est pas grave. Je trouve que c'est sympa de passer trois plombes à visiter des toits, hein. Vous en pensez quoi, vous, les amis? C'est nul, Blarkiane. On veut que tu continues. Oh, ah. Ouh là là. Ouh, je me suis foiré. Ouh, j'ai eu chaud. Ouh là là. Bon. Bon, tant pis. Si on retrouve plus tard, on reverra, mais... Ah, si, là, regardez. Super. Est-ce que c'est parce qu'il y a un trésor? Oui, c'est parce qu'il y a un trésor. C'était peut-être un peu haut. Ok. Allez, on va attendre qu'elle se soigne. Merci, ma paupiette. Hop là. C'est bien, t'es une bonne aïonnette. Je t'ai bien élevé. Vous voyez, il y a
Il y a une échelle, on peut quand même grimper sur les toits par rapport à des échelles. Il y a différentes manières pour faire, le jeu nous aide un petit peu sur essayer de grimper, nous forcer et nous... Hop là. Nous demander à titiller l'envie d'explorer en fait. Donc ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Youhou! Yo. Ok. Je commence à avoir fait un peu le tour. Ça fait peur. Et là, on voit qu'il y a quand même des trucs. Ok. Attention! Hop là. Nickel. Vous avez un train de retard, les filles. Je tiens à vous le dire. Donc on voit, on peut grimper aussi par là. D'accord. Et, attendez. Parce que là, il y avait quelque chose. On l'a déjà fait. Ok. Donc on est revenu ici. Donc là, il y avait le coffre. Très très bien. On est pas mal. On est pas mal. Il va falloir que je revienne un peu plus dans le milieu pour sauter sur les trucs là-bas. Yeah. Voilà. Hop là. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Oh oui, c'est faisable. Facilement. Et attention. Yep là. Voilà, tout ça, c'est quand même... Le coup de main est revenu assez vite. Hein. Ça faisait 3 ans que j'avais pas joué au jeu. J'avais un peu de mal au tout début, mais... Tout ça, c'est plutôt bien passé. Je suis assez content. Ok, alors, là, il nous indique... Essayez de sauter par... Hop là. Ok. Ah, je pensais qu'il y avait un truc, eh. C'est pas du jeu. Les enfoirés. Quelqu'un peut essayer de me laisser sauter, s'il vous plaît? Mince. Oh, je suis dégoûté, là. Le monsieur a une quête. On va la prendre tout de suite. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ok. Salomet's Grimoire. D'accord. The book itself is ensorcelled, you see. I would ask you to seek it out. Recompense? Prêt. D'accord. Eh ben, on a une nouvelle quête. On doit choper un grimoire. Très très bien, très très bien, très très bien. Et le truc, moi, c'est que... je voulais aller sur les toits à nouveau. Je suis un peu perdu, là. Je sais qu'il y avait une échelle pas... quelque part par là. Je vais finir de visiter les toits. Voilà. Point, c'est tout. Hop là. Youpi. Me revoilà sur les toits. Oui, vous avez un Blurken content. Yo. Hop. Alors, comment aller là-bas? Eh ben par là. Et... Salos. Oui, je visite. Alors, là, on l'avait... Ouais. Ok, on peut y aller par là. Très bien. Ok. Voilà, donc. On continue l'exploration, on continue. Bon, je pense qu'on a presque fini, hein, parce que là, du coup... Oula. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire dans ce secteur. Ah, on peut pas passer par là. Il y a un truc qui nous bloque. C'est marrant. Comme quoi, quand c'est trop pentu, il n'aime pas. Allez. Yo.
Là, faut bien attendre quand vous sautez, en fait, pour s'assurer de votre saut. Et au dernier moment, faire le saut qui tue. Ouh, un coffre. Il y a un clair martial, d'ailleurs. Je pense que là, du coup, on en a terminé. Ouais, parce que celle-ci, on avait déjà visité. Ok, donc du coup, voilà. On a fait les toits. J'espère que cette balade en toit vous a plu. Tiens, toi, t'as une quête? Salut! Hey, Alfred. Been some time. Oh, ça va, c'était depuis le dernier épisode, je crois. If I were twittering you'd wanted, you'd have sought a prettier bird than this old crow. Crows bring tidings, most oft grim. Me. Vas-y, je t'écoute. Salvation again. Now there's word they've a man inside the castle. If that be true, he'll have need to leave the castle. All I ask is that you keep watch. If you see someone leaving the... I only have need of your eyes. Follow them and see what... Skulking about is more my line than yours, I know. D'accord. I do it myself, but there's aught has me away from Grand Sorin for D'accord. It. Tell your findings to the innkeep. Tread carefully, friend, and... Ok. On va suivre des suspects, très très bien, très très bien. Très très bien. Salut! I see you're up, truly. Even in these dire times, as long as man you... That makes spoken that 'tis work well worth doing. Bon, d'accord. Si tu veux, si tu veux. Du coup, donc là, c'est par le chemin. Là-bas, je vais vous montrer. Donc ça, on était déjà sortis par là, il n'y a pas de souci. Ça amène vers, voilà, les grilles du château. Le touriste. Ok, bon, j'ai eu un succès, le touriste. Très très bien. Ça amène vers les nobles. Et donc, on va visiter l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Je vois pas depuis combien de temps je tourne. Je pense qu'on doit être à 40 minutes, quelque chose comme ça. Alors le souci, c'est que c'est bourré de... C'est bourré de rues. Un peu perdu, moi, dans tout ça. Les copains, vous avez trouvé des trucs? Non. Youhou! Ok, donc on en revient par là où on était. Ok. D'accord. Alors, voyons voir, voyons voir. On a des pions par là. On arrive dans les bas-fonds, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il a fait, Blarkane, pendant tout l'épisode? Il a couru. Couru. Il a couru. Oh non, il a pas couru, il a exploré aussi. Histoire que vous puissiez vous faire une idée, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas le jeu, vous voyez. Les personnes qui connaissent le jeu et qui l'ont déjà fait, c'est sûr, cet épisode, ça va pas être très marrant pour vous. Hein. Je le comprends. Je me mets à votre place. Mais bon, c'est juste pour être avec Berken. Ouais. Vous êtes tous contents. Vous avez passé l'épisode très très long avec Berken. Il a fait que de courir. Et pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est plutôt pas mal de se faire une idée en disant... On peut sortir par là. Ok. D'accord, d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les bas-fonds, les bas-fonds, des 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 bas-fonds. Ok. Un 9 points. Hop. Je crois que c'est par ici si on... Si on se fait emprisonner, qu'on sort, en fait. Ouais, je crois que c'est par là. Bon. Hop. À moi le coffre. Il est pas à toi, il est à moi. Bon, on sort par ici et après, il n'y a plus qu'à faire. Ok, voilà. C'est un moyen de sortie. On arrive ici, on est à poil. On a vaincu des monstres affreux. Donc, j'ai pas envie d'aller en prison, moi, ça me fait peur. Aïe, 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 on peut pas passer. On sait qu'on peut aller. Je pose la question s'il y a des choses intéressantes. Mais ça rappelle pas.
Je me dis qu'il pourrait être assez sadique pour avoir mis quelque chose. Non, ils ont pas été assez sadiques. Ah, attendez. Si, il y a un truc. Il y avait un truc. Ok, une plante de grande 6. Super. D'accord. Oh, j'ai un casque. Oh, regardez, j'ai un casque. Quand vous êtes mouillé, vous avez un casque sur les cheveux. Bon. Au moins, on aura visité cette partie-là, des douves. J'espère que ça vous a rafraîchi. Hein? Dites-moi que ça vous a rafraîchi. Dites-le-moi. Oh, on est lent. Non, faut éviter de faire ça, parce qu'après, on est tout mouillé. Alors, je crois que par là, il y a un truc. Il y a un coffre ou quelque chose comme ça. On va vérifier. Ah, déjà 46 minutes. Wow. Ouais, ça va dépasser une heure, hein, ça c'est certain. Oh, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'aime bien les vidéos qui sont longues. Eh, ça sert à rien ta vidéo. Ouais, ça sert à rien, ça sert à rien. Tu vas voir. Je t'en mets, moi, des sert à rien. Ok. On est sur le côté. On est sur le côté de Grand Solène. Très très bien. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais plus d'endurance. C'est moi ou il y a des bestioles? Non, il y a des rochers. Il n'y a pas de bestioles. Ouais. Ok. Donc si je regarde sur la carte, quand elle veut bien se charger, c'est tout le côté ici. Ok. Sachant qu'on n'a pas visité cette partie-là, on peut voir. Bon, il y a encore pas mal de choses à explorer, mais au moins on sait qu'il y a des bébêtes. On sait qu'il y a des choses par là. On est d'accord. On est tous d'accord. Et notre but d'épisode, c'est pas d'explorer les alentours, c'est notamment d'explorer Grand Solène. Donc, hop, on va par là. Allez, 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 mon endurance. Et voilà. Ouf, on a fait une boucle. On est parti du point A, on est parti vers le point B, c'est tout. Voilà, il s'est rien passé d'autre. C'est tout. J'espère que vous êtes contents. Alors, voyons voir, voyons voir. Allez, allez, t'inquiète pas, ton endurance, ça revient. Du coup, on était parti par là, on va essayer de partir par là. Histoire de vérifier un petit peu ce que nous avons. Je crois que les portes sont fermées. Ouais, la plupart des portes sont fermées. À part peut-être... je sais pas. Il y a quelques portes qui sont ouvertes, mais je pourrais pas vous dire lesquelles. Je sais pas, je sais pas. Non, ça sert pas à monter. Ah, un peu de musique, ça fait du bien. Ok, donc. Voilà, ça sert à grimper. Mais on a déjà visité les toits, donc peu ou pas d'intérêt. Alors, il y a de ce côté-là aussi. Mais là-bas, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Non. On était déjà dans le cul-de-sac. Ok. Oh là là. Il y a plein de rues partout. Donc nous, on était descendu par là. Et donc, on était arrivé aussi par là. Ok. Donc ça se rejoint. Voilà, c'est une boucle avec la rue qui remonte. Enfin, qui... Ouais. Bon, petite. Ok. Ouais, je suis pas perdu. Non, 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 tout se passe bien. Tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé, mes amis. Ou pas.
Si j'ai oublié quelque chose, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si vous connaissez bien bien le jeu. Genre un endroit précisément où il y aurait un coffre quelque part. Parce que là... je crois que là c'est important. Le chat noir fait négoce de denrées rares que l'on ne trouve que dans les boutiques habituelles. Si vous égarez un objet important, il est possible que vous vous retrouviez plus tard en vente dans la boutique. Le chat noir peut aussi créer pour vous des contrefaçons de certains objets. Ces faux ont l'apparence exacte de l'original, mais n'en ont pas la propriété. Ils peuvent néanmoins s'avérer utiles. Salut! Oh non, pardon, j'ai encore passé trop vite. Habitude. Allez, achète-moi. Donc lui, il vous vend des transpires. Ça coûte super cher. Il vous vend des... D'accord. Je vais acheter une de chaque. Hein. Oh ouais, une clé squelette, cool. Des éclats de pierre de réveil, c'est des vrais? Ouais. Super. 30 000. Ça coûte cher. Voilà. Alors, il vous vend aussi toutes les armes de DLC, mais on les a, donc pas d'intérêt. Voyez, paf. Ah, tenue de la dame, on l'a pas? Ah non, on l'a pas, peut-être pas. On va l'acheter, tiens. On a l'armure du capitaine, l'armure de Mercedes, une armure de je sais pas qui, la tenue de bouffon. Mais on n'avait pas la tenue de la dame. Bah tiens, on l'achète. Ouais, après le reste, on les a déjà. Ok. Voyons voir, il y avait les transpires, bon, je vais en acheter parce que ça c'est cher. Changer d'équipement. Non, je suis pas une madame. Ok, merci. Toi là. Qu'est-ce qu'il y a? I thought to sell some land I own to raise capital. C'est pas très sympa. D'accord. Ok. Ouais. Ah, t'es un vendeur, dis donc. Qu'est-ce que tu vends? Porte-monnaie de charité. Une bourse qui aide les... Se libérer des désirs matériels permet d'utiliser des pièces comme projectiles. T'es sérieux là? Ok. Relique de moine. Amulette de pèlerin. Fortune. Ah ouais, les touchés de Dieu. Ça tue, ça one shot. Mais vous avez vu combien ça coûte? Ils vendent des transpires aussi. Je vais en acheter, tiens. Protection effet, bonus sagesse. 70 000. Je crois que ça permet aussi d'augmenter l'expérience gagnée. Je suis pas sûr. Il en vend une. Regardez. Ok. Ouais, super. Merci. Bon, bah une quête supplémentaire. Ça en fait beaucoup, là. Je commence à en avoir plein. Du coup, on continue à explorer. Il y a rien par là. D'accord. Bon, on va par là alors, du coup. Et on retourne ici. Vous voyez? Tout est lié. Normal, c'est une ville. Rachel, c'est une ville. C'est obligé que tout soit lié. Ah non. Il y a des rues qui sont pas toutes liées entre elles. Mais le jeu, lui, il le permet. Et il le dit. Il le revendique même. Toutes les rues... sont liées entre elles. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour, on a vu ce qu'il y avait de plus important, je pense avoir rien raté. Si c'est le cas, bah vous me le direz en commentaire. Donc je deviens trop lourd, je peux pas courir, c'est pas pratique. Alors, du coup, on va faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? Alors, des fragments de pierre. Attends, j'en ai plein de fragments de pierre. Ah non, j'ai une pierre de réveil. D'accord, j'ai acheté une pierre de réveil. Oh cool. Y a pas des trucs qui soient lourds. Mais ça coûte, ça. À 50. Cher. Je peux pas me débarrasser de trucs qui soient méga lourds. Non. Hein? Je peux pas. Ouais. J'ai pas quoi donner, là, du coup.
Je suis perdu. Allez, Ayana, celle qui a moins de trucs. Voilà. Voilà, tiens, porte, Ayana. Voilà, tu vois. C'est bien. T'es une bonne paupiette. Voilà. Ok. Et donc, il nous reste un dernier secteur. Enfin, bah, c'est même pas un secteur. C'est cette partie-là. Donc, elle est pas très très grande. Hein. C'est cette partie-là. De la ville. En fait, qui rejoint une partie qu'on connaît, je crois. Qui est en dessous. D'accord. Et qui va sûrement mener directement à l'endroit où on a déjà visité. Et ben voilà. Donc vous avez vu le centre de Grand Soren, à part les airs et à pied. J'espère que vous êtes contents. Hein? J'espère que... Désolé. Et du coup, il nous reste plus qu'une... Il nous reste plus qu'une... Plus qu'un seul secteur qui est là. Qui est donc le secteur des nobles. Voilà, il est assez petit. Il n'y a pas grand chose, je crois pas. Donc on va vérifier quand même. Hop là. Alors, on dirait qu'on a l'impression que je sais où je vais. Non, je suis la logique, genre je vais tout droit quand j'arrive sur une zone. Puis après je tourne à droite et j'essaye de faire des cercles en fait. Si vous voyez ma méthode pour explorer, ce sont des cercles. Là, je tourne en rond sur la map pour m'assurer que je n'oublie rien. Et on arrive à 1 heure. Pas mal. 1 heure, c'est pas mal. Hop là. Allez, payons la cathédrale. Il doit y avoir de l'argent là-dedans. Salut madame. Tu viens avec moi? Allez, viens. Voilà. Vous étiez mieux de ce côté-là, madame. J'espère que vous êtes contente. Je vous ai porté, quand même. Pas l'air d'avoir grand-chose. Oh, ça va, je vais pas vous frapper. Hein? C'est pas comme si je faisais... Youhou! Bah quoi? Ah, y a pas grand-chose dans son église, hein. Je suis légèrement déçu, là. Bon. Let's go! Alors. C'est Alfredor. Quand il y a Alfredor, j'ai mal au dos. Alors c'était nul comme jeu de mots. Oui, je sais, mais j'ai pas trouvé de jeu de mots avec or. Donc je suis totalement navré. J'ai pas fait exprès, moi, tout ça. Donc on est dans la maison d'un chevalier. On sait pas quel chevalier. Mais on est dans sa maison, en tout cas. Et on gagne un peu d'argent. Ouais. Ouais, rien de bien. Folichon, hein, vous me direz. La porte est fermée. Est-ce qu'on aura une maison dans le jeu? Oui. On l'a déjà, elle est à Cassardi. Elle est pourrie, ta maison. Bah oui. Mais c'est la seule maison qu'on aura. Elle aura qu'une très petite importance. Très petite, surtout qu'on ne peut pas dormir dedans, hein, je vous rappelle. Là, on avait déjà visité, vous vous souvenez, c'était là où on avait trouvé la clé squelette. Voilà. Donc, pour vous dire que tout est lié. Ok, je suis un peu lourd. Voilà. Rien de bien, de folichon. Il reste plus que la dernière maison, qui est la maison de Fournival. Et puis là, c'est le château et on pourra pas y aller. Les méchants, ils viendront... Ils voudront pas me laisser, en fait. Oh, ça va. Je viens piller les choses, alors... ne soyez pas surpris. Voilà. Ok, je... Je sais pas ce que j'ai pris, mais en tout cas, je l'ai pris. La lettre du Magellan. D'après ce que j'ai constaté. Et une liste de cadeaux. Je crois que c'est des objets... C'est pour plus tard. C'est des...
C'est des objets de quête. Ouais. Ouais, c'est des objets de quête. Et ben voilà. Et ben ça a été... ça fait une heure tout pile que je tourne. J'en reviens pas. Ça l'a fait. Un épisode d'une heure. On l'a fait, on l'a réussi. On a fait tout Grande Soirée dans une heure. On n'a pas arrêté de courir, mais on l'a fait. C'est super. C'est cool. Ah ça, je suis content là, vous voyez. Finalement... finalement, on l'a fait. Allez, je vais essayer de grimper là-haut pour avoir une belle vue. Voilà. Et voilà. Vous avez cru que j'allais tomber, hein? Vous aviez cru? Ça serait bien si on pouvait monter en haut du clocher. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode ne vous a pas paru trop long, que j'ai su l'agrémenter pour que ça soit drôle et marrant et que vous puissiez passer un agréable moment en ma compagnie. Une heure, ce n'est pas rien. On a visité l'ensemble de toute la ville et vous avez maintenant un aperçu de là où je vais évoluer avec toutes les quêtes qu'on va avoir. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo, savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de mes aventures, la suite de Dragon Dogma, pour l'épisode 11. Et j'espère que vous êtes impatients parce que moi je suis impatient de jouer. Allez, à ciao tout le monde. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.